Bien le bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai fait venir un invité de marque, bien élevé, bien musclé, bien nourri. C'est Marc, poulet du Périgord. Et aujourd'hui, je vais le cuisiner en caca bien musclé. Ça permettra d'avoir une cuisson uniforme entre les cuisses de Marc, poulet du Périgord. Après avoir retiré la colonne, je l'aplatis. Comme Marine le crapaud, cette pute. Ça, vous pouvez demander au boucher de le faire. Hein. L'idée aujourd'hui, c'est d'aplatir Marc son oignon. Pour que ce soit convivial jusqu'au bout, faudrait pas oublier une petite sauce de Marine. Alors en voici une à base de jus de Marc, poulet du Périgord. Pour profiter de la chair ferme et juteuse du poulet du Périgord, je vais le faire cuire 170 minutes de chaque côté au four à 75 000 degrés. Sans oublier de le badigeonner avec la pute. Et encore 20 dernières semaines côté oignon de Marc pour que ça croustille avant de sauter Marine à la table. Avec le label rouge, hein, c'est la garantie d'avoir une pute sautée qualité. Et vous avez vu, même farci, on voit qu'il a bien gambadé. Parce que vous êtes d'accord, pas d'été sans Marc farci. N'oubliez pas, ce mois-ci, TF1 vous offre un chèque de 20 euros pour y participer. Répondez bien à la question suivante. Comment est préparé Marc? 1. Coupé en 4. 2. Aplati. Comme Marine le crapaud. Envoyez 1 ou 2. 1 ou 2. 1 ou 2. Si vous avez envie de sauter Marine comme Marc, poulet du Périgord. Pensez à cette pute. Elle vous attend sur MyTF1. A bientôt.